Bonjour belles âmes. Alors la guidance c'est la suivante. Je dois prendre une carte d'un seul jeu. Ça m'a fait prendre les chemins de l'éveil. Et partir en guidance et retourner cette carte à la fin. Voilà. Donc je prends une carte. Une seule carte. Celle-là. Et on la découvrira à la fin. Ok, mais je pars en guidance totale. L'organe du cœur. Écoute-le. Ressens-le. Connecte-toi à lui. Vibre-le. Respecte-le. Entends-le. Exprime-le. Touche-le. N'aie pas peur de toucher ton cœur. N'aie pas peur de toucher ton corps. Ressens les vibrations de ton corps. Écoute ce qu'elles te disent. Relie-toi juste à ces vibrations. Tu vois, ça grince quand ça rentre. Tu arrives à donner, mais ça grince quand ça rentre. Recommence. Tu ressens le malaise? Recommence. Installe cet échange, ce partage dont tu parles dans la vidéo précédente. Installe-le, instaure-le, laisse-le s'installer pour le distiller à ton tour dans tes vidéos. Tu distilles ce que tu es pour l'instant, tu ne sais pas recevoir. Tu sais donner, oui, tu donnes, tu donnes, tu donnes parfaitement. Reçois, la loi de l'équilibre est là. Recommence. Vois comme ça te nourrit. Vois comme ça t'apporte de la joie. Vois comme c'est ton état naturel de recevoir. Mets de côté les privations, mets de côté ce qui t'a été enlevé, ce dont tu as été coupé, ce qui ne t'a pas été donné comme tu voulais. C'est fini. Apporte-toi ce que tu veux. D'avoir été témoin de ce moment. Et la carte que l'on nous avait donnée, la magie. La magie. Une carte 7, 34. Hop, hop, hop. Je vais la lire, j'ai très envie.
32, le partage. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y croies. Frotte ta lampe, frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé, à celui qui sait trouver la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi, ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut être une sombre aventure parfois. Mais l'enchantement la rend moins pire, tu sais, celui qui guérit si tu le laisses bercer ta vie. Oh, l'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en soi peut-être d'abord, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins, c'est difficile à dire, hein ? Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. Lâchez prise cette fois, contrairement à d'autres cartes. Cette lame vient vous demander de laisser faire, d'attendre, tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher prise et de réenchanter le cœur. Je suis très émue. Merci pour votre présence. Prenez soin de vous.